Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la PSTHC TV, comment allez-vous? Ici Pilobil, on va continuer notre aventure sur Dragon's Crown Pro. Ouais, j'espère que vous allez bien. Salut Gabrance, comment est-ce que tu vas? J'ai pu un petit peu faire de l'expérience hors live, un chouïa, hop, juste assez. Je vais dire non, continuons comme sortir de la taverne. J'ai pas donc avancé dans l'histoire, j'ai terminé mes deux quêtes annexes. The magician Wallace who disappeared is Lucane's friend. Ah ouais, non mais monsieur, faut pas dire ça là. Ah, tu spoiles un petit peu, il y a juste qu'il a fallu, à force de faire les donjons, je récupérais des cadavres. Et il y a une limite de cadavres que l'on peut transporter sur soi. Donc j'ai dû malheureusement à un moment donné quand même aller au temple de Canaan. Et en sortant du temple de Canaan, on retrouve le vieux clochard blanc là qui m'a racketté mes petites piécettes là. Non mais déjà il faut arrêter là, purée. Ah oui, oui, non mais je suis pas en jeu, c'est pour ça. C'était lui que je devais voir pour la suite de l'histoire, donc vite fait pour la cinématique qu'on a. Vous avez un petit peu raté. Mais sauf qu'il n'y a pas de voix. Donc c'est le vieil homme s'agite à votre approche. Il attrape la tablette. Vous vous souvenez maintenant l'avoir entendu marmonner le nom du roi démon. Oui, non, par contre, faut pas que j'appuie sur croix. Je suis en vidéo. Alors que vous tentez de récupérer l'artefact, le vieil homme récite une incantation. En un instant, la tablette de pierre n'est plus que poussière. Vous restez bouche bée. Tandis que le vieil homme vous remercie d'une voix claire et posée. Il poursuit son récit. Nous avions obtenu la couronne d'Elysia, connue comme la couronne du dragon. Cependant, elle ne possédait aucun pouvoir sur les dragons. Les histoires n'étaient que des mythes, destinés à glorifier le roi d'Elysia. La couronne trouvée dans les ruines n'était qu'ornementale. Malgré tout, je décidai d'imprégner cette couronne du pouvoir évoqué dans la légende. Telle serait l'œuvre de ma vie. Pour cela, j'étais prêt à tout. J'ai participé à des rituels maléfiques et vendu mon âme au roi démon pour obtenir plus de puissance. Sans cette tablette, le pouvoir de la couronne va maintenant s'évanouir. Le culte qui m'a utilisé ne peut pas contrôler les anciens dragons. Le vieil homme ajoute pour conclure qu'il est le magicien Wallace. L'instant d'après, il s'évapore dans les airs. Non, faut pas appuyer sur croix, j'ai dit. Et du coup, là, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, c'est Wallace, le magicien Wallace, donc, qui a disparu. Et l'ami de Lucane, vous devez lui parler de cette surprenante rencontre. Franchement, Lucane qui trouve pas son pote qui vit. Deux rues plus loin, quoi, enfin deux rues à peine, et c'est minable. Hein. C'est minable, c'est même pas deux rues, quoi, c'est genre un bâtiment, quoi, et il l'aurait trouvé. Aïe 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 aïe. Ouais, non, je sais pas pourquoi il y a pas le son du. Non, il y a pas le son du jeu. Si, là, il y a le son du jeu, c'est dans les vidéos de. Du Galerie Multimédia, et j'ai pas le son, je sais pas pourquoi. C'est chiant, mais c'est normal, hein. Enfin, c'est normal. Hein. Je sais pas si c'est normal, mais il n'y a pas le son. Vous évoquez avec Lucane donc votre entrevue avec Wallace, la tablette et la couronne du dragon. Lucane vous écoute attentivement, puis il bondit subitement. Tous ses souvenirs perdus viennent de lui revenir. C'est Wallace qui a tué Lucane. Comment ça? Mais je croyais que c'était toi. Il a demandé à Lucane de venir dans le labyrinthe pour pouvoir lui voler ses pierres runiques noires. Mais si tu n'es pas Lucane, qui es-tu? Je ne sais plus. Ces pièges runiques sont des runes capables de former un portail de téléportation. Elles auraient été créées par une fée aux pouvoirs ancestraux. On s'est servi de Wallace pour créer un portail vers les terres illusoires. C'est là que vit l'ancien dragon, dans ce monde scellé par la déesse. Le culte maléfique a certainement tenté de prendre le contrôle de ce dragon géant. Il partageait avec Wallace un même objectif.
Si la rumeur se répandait que le culte détient le pouvoir des dragons, ce serait un désastre. Vous espérez que nul n'en saura rien. Lucain pense que la couronne a toutes les chances de se trouver dans la tour du mage. Le Morneon s'est emparé de la tour du mage car elle abritait toutes sortes de documents, ainsi que le laboratoire de Wallace. Oh, comment puis-je vous aider? Je ne sais pas. Alors, on se barre. Voilà, je sais pas encore quoi faire, donc je me barre de toi. Alors, vous infiltrez dans la tour du mage pour y trouver la couronne du dragon. J'ai fait le niveau 12 alors, j'aurais pu y aller? Non, j'ai l'impression que je l'avais pas fait. J'avais peut-être fait, finalement. Du coup, salut Miss Maladroite, comment vas-tu? Donc tu vas bien, Gabranche, je vais bien aussi. T'as pas platiné Bob l'éponge cet après-midi. Félicitations pour ton 146e platine, ça a été assez rapide, hein. Et demain, tu vas pouvoir tester la démo de Final Fantasy Theatrium, effectivement. Voir si tu vas y arriver, si ça va bien t'intéresser aussi. Ça, c'est une bonne chose. Juste à temps pour la démo. As-tu passé une bonne journée, Miss Maladroite? Le niveau 12, du coup, je l'avais fait. Ouais, j'ai farmé les 2-3 quêtes annexes que je pouvais faire. J'en avais une, du coup, je pensais que j'avais pas été à l'endroit. Pendant le sanctuaire oublié. Mais apparemment on a dû y aller, je m'en souviens plus. Apparemment on a dû y aller. Je crois que j'aurais pu continuer une quête annexe alors. Une image, c'est pas grave. On a pris quelques niveaux en faisant les quêtes. La tour du mage, autrefois considérée par les magiciens comme un centre de savoir, oula. Elle symbolisa désormais à elle seule toutes les craintes qu'a Idoland de voir se voir envahir par les forces obscures. Par contre, se faire agresser comme ça, alors que le mec il est en train de blablater, dès que t'arrives dans le donjon, boum, tu te fais agresser. Et encore, on n'est même pas dans le donjon, on est à l'extérieur de la tour. Faut arrêter de déconner, les gens. On peut se balader aux alentours d'une tour sans se régresser quand même. Non, c'est honteux. Tu vas bien, Miss, mais tant mieux. Tant mieux. Alors, on a des runes, c'est vrai qu'il y a des runes. Et on peut utiliser ça maintenant. Il y a l'air toujours un petit peu pour les combats. Hein. Ça ne risque pas de changer de suite. Voilà, les petits cadavres qui finalement vont donner mes alliés. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va avoir quand même de plus grands niveaux dans les personnages. Donc je me débarrasse au fur et à mesure des petits niveaux. Je les jette à la poubelle. Et les ossements de petits niveaux, je les jette aussi à la poubelle. Oula, les fées, c'est pas mal, les bizarroïdes un petit peu là. Quand tu vois surtout ce bord là. Ah non, c'est pas redescendre en arrière. Quand tu le vois tourner, c'est un peu bizarre. Hein. Mais il est fait quand même pas trop mal. Hein. Il est bien fait. Alors, Cypher, comment vas-tu? Ouais, je ne sais pas si c'est moi le meilleur. Je suis là ce soir. Sur un jeu où je suis une elfette archère qui tire de temps en temps à l'arc, mais pas plus. Et qui combat un peu trop au corps à corps, finalement. J'ai pas compris ma classe, je crois. Oh my. Petit coquinou, là. Un petit caf, là, voilà. Voilà. Ah, mais faut pas lâcher. Ah, mais non. Non, y'a rien. Y'a rien dans la pièce, comment vas-tu du coup pour toi? Oh purée! Une femme à demi-nue gît dans un recoin sombre, attachée par une chaîne. En vous approchant, vous constatez qu'il s'agit d'un esprit capturé. Les adeptes du Morneon capturent des esprits et des fées afin d'alimenter leur magie des runes. Les portails magiques runiques ont été ouverts de nombreuses reprises dans cette tour. Et les magiciens vont et viennent. Aux terres illusoires. L'esprit termine son récit par une révélation glaçante. Ils ont réveillé l'ancien dragon. Après avoir libéré l'esprit, vous vous dirigez vers la chambre de l'un des chefs du Morneon.
On doit aller les tuer Alduin, bien sûr, hein. Le dévoreur de rêves, le dévoreur de monde. Les voilà, ils sont là, là, les dévoreurs de monde. C'est eux, là, on les reconnaît, là. Les Ents. C'est de la merde, quoi. Il y a une madame avec une hache à qui a oublié de se habiller. Oui, c'est normal. Aïe, c'est normal, je suis où, moi? Je regarde pas, c'est l'Amazon. Et encore, hein, tu n'as pas vu l'enchanteresse. Ou la... Je crois que c'est l'enchanteresse en français, la sorceresse en anglais. Et tu ne l'as pas vu, elle est encore moins... Enfin, elle a des... Il y a du monde au balcon, hein, dirons-nous. Pour bien la présenter. On récupère du loot. Qui font augmenter aussi un petit peu mon score en même temps. Alors, vous lisez sur le bout de papier. Vous ne pouvez emprunter que 2 livres sur cette étagère. Oh. Ok, j'en sais rien. Moi. Ah. Voilà. Allez, bon. Vas-y, moi je prends tous les bouquins, je m'en fous. Bon, il y a certainement un passage secret avec les bouquins. Je sais pas lequel. Je ne sais pas quoi, du coup je ne le ferai pas. Salut Caliwood. ce jeu a réussi à faire beaucoup parler de lui, plutôt prenant. Ah, il est pas mal le jeu en effet. En tout cas pour le moment je galère un petit peu, surtout pour les combats, parce qu'il y a de la profondeur par rapport à un Odin Sphere qui lui n'avait qu'un plan, donc tu faisais que du gauche et du droite. C'était beaucoup plus simple. Là je galère un petit peu. Surtout les premiers combats où je tapais rien du tout, et heureusement que j'avais les potes. Ça fait un peu le joyeux bordel, effectivement. Ah, effectivement, ça pourrait être un jeu pour Night, Cypher. Ah, méfie-toi, les femmes, elles ont souvent 2 barres de vie. Là, bah quoi, elles ont... Bah, elles ont... De toute façon, elles ont de la vie. Hein. Le 2, en haut à gauche de l'avatar, c'est le nombre de vies qu'elles ont, donc elles ont 3 barres de vie. Enfin, Christy a 3 barres de vie, Clifford et Gawain et moi-même, de toute façon, ont 3 barres de vie. Ina. Tombé ? Ouais, je suis tombé. Mais non, mais le jeu, s'il te plaît, là ! Pardon ? Faut quelque chose, là, le mécanisme ? Oh, c'est quoi le jeu là? On sort d'ici. On peut pas ressortir. Tire dessus. Mais non. Mais la caméra, Jean-Michel, caméra qui fuit pas. Fidez-vous les gens. Ah ouais, je suis presque mort avec ces conneries, moi. Il y a la fille. Ouais, il y a de la fille en petite tenue. Il va apprécier, effectivement. Il y a l'elfe qui fait quand même. Ah, ben là, ça veut bien. J'ai tapé 5 fois avant hein, le jeu. Mais c'est pas grave, on dira que dalle. On fera comme si de rien n'était. Du coup, c'est vrai qu'avec 4 joueurs en plus de ça, c'est le bordel. C'est un peu trop le bordel à mon goût. On voit absolument que dalle, je vois jamais où je suis. Et du coup je fais de la merde, surtout sur un ascenseur où on peut tomber. C'est pas ce qu'il fallait me mettre, hein. C'est pas ce qu'il me fallait mettre ce genre de bêtises, le jeu. Il a l'air déjà assez simplement comme ça si tu me mets des chutes possibles. Ouais, c'est pas grave, hein. On perdra une vie, on sera pas mort pour autant. On fera confiance à nos copains pour faire tous les dégâts, de toute manière, comme d'hab. C'est quoi qui fait du dégât? Ah oui, ça doit être le glyphe au sol. Bon, il s'est calmé le glyphosol.
Le souci aussi. Non, c'est pas forcément. Si, c'est dans mes attaques. Quand je fais mes attaques, c'est. Si je fais un saut et que je veux tirer vers le bas comme ça. Ah, sérieusement. Ça me montrait un truc, tu te fais agresser par du feu hors, hors caméra là. Allez les gens, mais agressez, attaquez quand même les poteaux. Ben malheureusement, elle tire que dans un angle précis et c'est un peu le bordel. Elle, enfin, c'est parce que, enfin, y a pas moyen de sauter et de tirer horizontalement. Elle est obligée de tirer vers le bas. C'est relou. Enfin, je trouve ça relou de pas savoir mais tirer droit tout simplement. Hein. M'aide pas. Un petit peu gênant. Alors, comme j'ai dit, l'histoire, je sais qu'il faut faire enfin, 3 difficultés. Il y a un peu de 2-3 routes à faire. Mais c'est pas en une, pour une difficulté sur une route qu'on la durée. Mais c'est plus ou moins que ce qu'on prend en live. Hein. Que quand on finit normalement, on va dire la difficulté 1, on passe un peu en difficulté 2, puis en difficulté 3. La route se termine ici. De la roche en fusion empêche toute progression. Oui, très bien. Tapis volant de Salomon, génère un tapis volant. Bah ouais, voilà. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça va, il monte tout seul. Et c'est grâce à donc c'est les pierres uniques. Enfin, une pierre unique que j'avais, plus donc les deux runes sur le cercueil. Ah ouais, mais bien sûr. Lava en fusion vous attaque comme si elle était vivante, mais bien sûr. Dirigez le tapis volant, évitez qu'il ne brûle. À l'aide, comment ça? Comment ça là? Mais comment je le dirige ton tapis? Ah oui, comme ça. Non. Mais. C'est pas clair ton jeu là! Ah ouais, comme. Mais non. Ah si, c'est en bougeant la dame. Mon personnage, le tapis. Non, tout désordre. Oh, mais c'est la merde, on voit rien. Si je vais. Ah ouais, y'a pas de pause. Et super, tu vois, qu'il y a un niveau perspective. Et oh, ouais, ouais. Il faut que j'aille vers le haut du tapis pour qu'il monte et vers le bas du tapis pour qu'il descende. Par contre, quand on voit que dalle sur la perspective, ça va être compliqué. Surtout si je veux vraiment passer par ça. Ah! Ok, non, ça va. Ah ouais, mais comment ça, genre, il les a tous dead? Mais c'est un gros port, ce mob! On va pas savoir faire grand chose, on va devoir changer de jeu, là! Je croyais que j'étais pas mal, mais non, mais finalement, je suis mal! D'accord, bon, employé par les magiciens possède ses propres caractéristiques. Observer les couleurs. Et j'ai par moment l'impression aussi que mes flèches quand je les tire droit, oh ben malheureusement, je sais pas m'accroupir ou ce genre de truc, donc si l'ennemi est à terre, ben ma flèche va passer par-dessus. Hein. Ben, c'est passé, mais j'ai pas le niveau, hein. J'ai l'impression que j'ai pas le niveau. Donc c'est un peu chiant avec et la profondeur, c'est par moments un peu compliqué. Cependant, ouais, vous n'avez pas trouvé la couronne du dragon dans la tour du mage. C'est pas grave. Heureusement que j'ai pris mes compagnons les plus hauts niveaux. Allez, hop.
Alors, pierre runique, ouais, c'est pour l'histoire. Sur la dépouille du sorcier, vous trouvez les pierres runiques noires volées à Lucain. Malheureusement, une d'elles est entièrement détruite. Alors, le butin de fin de niveau. Voilà, attends, Safer, t'es là, je vais te montrer la demoiselle. Ouais, après. Faut arrêter de me parler, le jeu, quand on veut faire des trucs. Regarde-moi ça, là, est-ce que tu vas bien là-bas? Cher, là. Ah ouais, non, on veut pas forcément la prendre, mais regarde-moi cher, là. Ça donne envie. Ah oui, non, tu vois que dalle, là, je suis là. Mais bonne nuit, Miss Maladroite, bonne soirée à toi, merci d'être passé et à la prochaine. N'hésite pas à revenir, ça fait toujours plaisir. Non, c'est l'autre que je voulais retirer, voilà. Voilà la magicienne. Enfin, l'enchantresse. Et sympathique. C'est vrai que Knight l'appréciera certainement. Alors, je reprends les bonhommes que je veux, sinon le jeu, il va m'en donner un genre au pif. Et pas forcément les trois, en plus. Il faut à chaque fois aller à la taverne, du coup. Bonne soirée, hein, Miss Maladroite. Alors, vous devez rendre à Lucain les pierres runiques noires que vous avez trouvées. Lucain s'inquiétait pour vous, et son visage s'illumine quand il vous voit enfin de retour. Vous lui remettez les deux pierres uniques noires que vous avez trouvées. Plus personne ne devrait pouvoir accéder aux terres illusoires maintenant. Vous dites à Lucain que vous n'avez pas trouvé la couronne du dragon, et que l'esprit vous a parlé de l'ancien dragon. De nombreuses légendes entourent l'ancien dragon, mais personne ne connaît vraiment les détails. Lucain vous conseille de parler à un spécialiste. Lucain a un vieil ami qui a étudié les anciens dragons. Il veut y retirer du monde dans les bois oubliés. Ils se sont querellés il y a plusieurs années et ne sont plus en bons termes. Vous devrez le voir à la place de Lucain. Il a une dette envers l'ancien roi. Il est peut-être borné, mais c'est un homme d'honneur. Lucain écrit une lettre au château. Vous devez d'abord aller au château et demander au roi Dean de rédiger une demande d'aide officielle pour obtenir la coopération de l'ermite. Par contre, niveau... Là, à chaque fois que tu ressors, tu vas avoir le rappel de ton objectif principal. Mais c'est un peu moins... Enfin, je trouve, quand on voit ce que ça, la narration, enfin, l'histoire principale commence à raconter, c'est genre Lucain... Enfin, et là, la conversation avec Lucain, c'est... Lucain, vous dites à Lucain... Lucain dit que... Ben, c'est bon, là, on a compris, on se doute bien que c'est à lui qu'on parle et que c'est lui qui va nous dire des trucs. Faudrait utiliser d'autres termes, par moment. Alors, on a une nouvelle, du coup, quête annexe. L'automate d'Henrietta, un sorcier versé dans les recherches sur les golems et la nécromancie, a fait une demande. Il souhaite que vous trouviez une automate fabriquée par Henrietta. Il va falloir se rendre au laboratoire d'Henrietta dans la tour du magicien et mettez la main sur l'automate. Un mécanisme magique se dressera sur votre route. Au premier étage de la tour du mage, donc certainement après être avoir monté les escaliers dans l'espèce de pièce où j'avais bien compris qu'il y avait un mec avec la bibliothèque, j'ai l'impression, ce serait pas déconnant. Et donc ouais, les autres sont déjà faits par amour de la meute. Ouais, si c'était la quête niveau 12, j'aurais pu la refaire celle-là. Et allez, on va au château demander au roi Dean. Alors, vous demandez une audience auprès du roi Dean. Et toutefois, la princesse Vivian, au visage anxieux, qui apparaît à sa place. Juste après son accession au trône, Dean a quitté le château avec plusieurs hommes de confiance et n'est pas revenu. Vous voyez tout doute, imaginant que Dean doit bien avoir un plan. Vous apaisez les craintes de la princesse. Quand elle vous demande la raison de votre présence, vous lui parlez de la lettre pour l'ermite. Elle rédige pour vous une requête royale. Alors on a de la chance que la princesse était là. Donc Vivian vous remet une lettre, une demande d'aide pour l'ermite. Vous devez vous rendre au bois oublié et en apprendre plus sur l'ancien dragon. J'ai un
l'impression que ça va être compliqué d'avancer dans l'histoire et qu'il faudra à un moment donné. Comment ça, la guilde des aventuriers interdit l'utilisation du portail et les ruines sont scellées. Vous devriez demander à Samuel ce qui s'est passé. Ah. On devra prendre une autre sortie. Peut-être celle qui est dans les profondeurs. Mais oui, c'est bon. Il vient de nous le dire. Ça, c'est parfois un peu chiant. Vous demandez au maître de guilde pourquoi le portail magique aux abords de la ville a été scellé. Samuel vous explique que le portail était devenu instable et qu'il était impossible de savoir où on allait atterrir. Il l'a donc fait fermer. L'apparition du portail est peut-être liée à son utilisation par le Mornéon. Peut-être aussi à cette pierre unique détruite. Mais vous n'avez pas le choix. Vous dites à Samuel que vous prenez le risque et le forcez à vous laisser emprunter le portail. Samuel renacle et vous propose d'aller plutôt aux écuries pour y choisir un cheval. Vous pouvez voyager à cheval ou grâce à la magie. Cependant, le portail vous amènera désormais vers un lieu aléatoire. Normalement, on prend la route 1, le jeu, là. Il n'y a pas de route 1. Alors, vous pouvez maintenant utiliser les écuries. En partant de la porte, vous rejoindrez un lieu aléatoire. Alors on va tester l'écurie, on n'y a pas encore été. Payer 600 pièces pour utiliser les écuries. Vas-y, on va tester, on a dit. Mais quelle arnaque. Quelle arnaque. Genre, ils ont vu que j'étais riche, donc ils veulent me ruiner à mort, les jeux. Non, mais c'est, je vais pas me laisser faire. Hein. Les bois oubliés sont si vastes et monotones. Vous perdez vite tout sens de l'orientation. On dit que seul l'ermite qui vit ici sait se diriger dans cette forêt. Bon, on va se perdre. Ah, mais ouais, on va chevaucher une monture, ça va le faire. Hop. Bon, moi je protège à droite, hein, vous protégez derrière, hein, les potes. Le voleur avec nous qui est là pour ouvrir les coffres, ouvrir des portes et ramasser du butin pour nous sympathiquement. Vous sentez une présence et vous retournez. Là, un homme se dresse sur un rocher et hurle « On me fiche la paix !» Lorsque vous lui tendez votre lettre et expliquez votre mission, il sourit avec assurance. Selon lui, l'ancien dragon ne peut pas être ranimé. L'ancien dragon repose aux terres illusoires, comme mort. Il est impossible de s'y rendre, et encore moins de le réveiller. Il vous jette plusieurs ouvrages et vous dit de les lire si vous voulez en savoir plus. Il vous indique ensuite le chemin qui mène hors de la forêt. Vous empruntez un bateau pour traverser le lac souterrain, comme vous l'a conseillé l'ermite. C'est, semble-t-il, le chemin le plus sûr pour quitter les bois oubliés. Hop. Non, allez, arrêtez, toi. C'est qui Ah, mais c'est moi ou c'est ma pote qui balance ça? Tous les coups, c'est Galvin, là. C'est Gawain. Faut arrêter. Si c'est toi, faut arrêter, monsieur. Hein. Ce genre de truc, si ça nous agresse en plus, c'est chiant. Hein. Le mec, il a appris à lancer des boules de feu pour agresser ses alliés. Pas le but, hein.
On a aussi vu quand même plusieurs fois que j'ai eu du mal à déterminer qui étaient les méchants et qui étaient les gentils. Ils se ressemblent parfois un peu tous. Mais ouvre surtout le coffre. Il peut être parfois piégé, hein, je le rappelle. Pas gaffe, faut pas forcément rester à côté quand il ouvre le coffre. Y aller en monture, vraiment. Super. Si votre bateau est pris dans un tourbillon, il sera détruit. Évitez à tout prix les tourbillons. Ouais, c'est le même principe. En haut, on monte, et en bas, on va descendre. Si on s'approche du... Non, par contre, pas trop quand même. Non mais oh, on va parler des tourbillons, on va pas parler que genre les gens pouvaient me cramer mon bâton, enfin le péter comme ça. Et on pourrait avoir une barre de vie au bateau pour savoir où il en est. Et là le mec il arrive, boum 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 mon bateau. Comment il s'est fait agresser le bateau? Alors que le mec a juste fait n'a que monté dessus. Non mais là y'a rien, faut arrêter. Et c'est de la rigolade j'espère. Non par contre le bateau, je suis en haut hein. Tu descends pas, hein, s'il te plaît. Ah, d'arnaquer. Je ne m'énerve pas, promis. Voilà. C'est pas ouf, ces passages, hein. C'est pas ouf, hein. Moi, je pensais qu'on allait mettre 3 heures pour trouver le magicien, finalement, parce que ça fait en 12 secondes. En ressortir, qui est compliqué. Vous pouvez pas reprendre la même route que quand on... Ah, pas de réponse, ça veut dire que j'ai les 28... J'ai 28 emplacements de squelettes possibles, ça doit être déjà plein. Ah non. Pas du tout. Bah. Vous avouez pas. Alors que j'ai pu le prendre là. Oh, j'en sais rien. Je ne comprendrai jamais ce jeu. Normalement. Ah, ça y est, moyen aussi, normalement, de grimper dessus, de chevaucher. Voilà, on va le faire. Objets. On veut du rang A minimum. Voire du S si ça existe. J'ai pas encore vu, donc je ne sais pas. Je sais pas si je fais des scores de ouf ou pas. Enfin, j'ai jamais l'impression d'avoir bien vu le score du niveau. Donc ça. Gazer's main eye can nullify your magic effects. Bah oui, bien sûr. Genre.
les attaques que j'ai, hein. Je sais pas comment on fait pour éviter par moment, j'ai l'impression qu'il y en avait un de boss, j'étais pas sur la, l'impression la même profondeur que lui, j'arrivais jamais à esquiver ses attaques. Mais ils sont vomis les boss ici, j'ai absolument jamais le niveau dans le jeu. Enfin, ça a été bien les deux premiers lives, mais là... Wow, wow, mais c'est quoi ça? T'es sérieux, mec? Putain... Allez, arrête. Ah, mais quel boss. Ça va pas le faire, ce jeu. En live. C'est quoi ce boss là, le... Le niveau ça va encore, puis le boss qui est overpété. Ah ouais, si on voit un score total de la manche, 52 312 points, mais on sait pas ce que ça vaut. Hein. On sait pas si c'est bien, pas mal ou c'est naze. Bon, on a quand même du stuff de rang A, et je suis... Enfin, j'étais au chapitre au niveau 19, mais... Vous apportez les livres sur l'ancien dragon que l'ermite vous avait jeté à la figure. Alors, on a un arc 21, ouais. On l'identifie, on va le prendre de toute manière. Tac, tac, c'est mieux. C'est mieux bien. C'est bien. Les livres que vous avez empruntés à l'ermite renferment de nombreuses études sur l'ancien dragon. Portez-les à Lucain, qu'il examine. Bien sûr, bien sûr. Là, on peut ressusciter qui? On va ressusciter William. Lila, Stevie. Catherine aussi. Catherine ou Libby? Lethea. Mervyn, je crois qu'on a fait un cliff. Les autres, on peut en tirer. Je crois que j'ai vu. Normalement, il y a un trophée pour en tirer des gens. Une centaine, je me semble. Salut Charles Ray, comment vas-tu? Je crois que, ouais, que c'était une centaine de personnes à enterrer pour le trophée. Il y a un trophée d'ailleurs que j'ai réussi à obtenir en faisant les petites quêtes annexes. Donc en refaisant pour ça donc les donjons encore et encore. Il fallait réussir à faire un niveau sans se faire toucher une seule fois. Eh ben ça c'est déjà fait. Et c'est un trophée que dont je ne dois plus m'occuper. Vite prendre avec soi sinon des persos super pétés. D'aller dans un donjon assez simple et ça se fait assez bien. On va vendre. Enfin, on va tirer des petits. Anna, pauvre Anna. On l'aimait bien, Anna. On la connaissait pas tant que ça, mais je l'aimais bien quand même.
Voilà, je vais garder au moins un exemplaire de chaque en réserve au cas où. Le temple, et on va devoir donc aller voir Lucain. Est-ce que tu connais le jeu ou pas? Oui, ça c'est... Enfin, pour le moment. Pour le moment, tu viens de rater la bagarre. Tu viens de rater la bagarre. Mais cette fois-ci, on n'est pas dans un jeu pour la bagarre, on est dans un jeu pour les demoiselles. Ou pour les messieurs. Enfin, surtout pour les demoiselles, faut avouer. Quand tu vois ce... Tu vois pas bien encore une fois, mais quand tu vois la sorceresse, l'enchantresse à l'ETA, ou que pour certains peut-être voir, Layla n'est pas très habillée. C'est pas très habillé. Il y en a, ils apprécient. On veut qui? On veut William. On veut Layla. Et on va prendre... On va voir avec Stevie. Stevie, bien sûr. Une histoire où on va certainement devoir péter la gueule à un dragon à la fin. Donc Andro, pour le moment, n'est pas encore là, donc ça va. Enfin, pour le moment, on ne tape pas encore la gueule au dragon, donc ça va encore. Après, à un moment donné, elle va peut-être entendre. Alors, il faut réparer son équipement un petit peu. Peut-être équiper aussi le meilleur truc si j'ai. Identifier, qu'est-ce que je peux identifier de bien? Je crois que si, je crois qu'il y a un trophée qui va me demander, si je dis pas de bêtises, en achetant les objets. C'est bon, on peut le faire, vas-y, on peut tester, j'ai de la thunasse. C'est d'acheter tout l'équipement qu'elle a en stock. Enfin, tout ce qu'elle vend, une fois. Voilà, Oniomanie, c'est très simple, il suffit d'avoir un petit peu d'argent, ça se fait. Ne vous en faites pas, en refaisant un donjon et en revenant voir Morgane, son stock sera refait, hein. Voilà, un petit trophée. On a dit qu'on allait voir Lucain. C'est parce que ça donne chaud de combat. Ben oui, ça donne chaud de combat, c'est pour ça. En effet, même si finalement c'est vrai que le nain, lui, il a bien compris la chose. Le magicien, il combat pas trop, il fait juste... Donc c'est bon, c'est pour ça qu'il est habillé. Et moi, malgré tout, malgré que je sois une archère, je combats quand même plutôt pas mal au corps à corps. J'ai du mal avec l'arc et les flèches. Avec Lucain, vous passez immédiatement à l'étude des ouvrages sur l'ancien dragon. La lecture est ardue. Lucain vous offre un résumé. Ouais, il y a un ancien dragon, et puis voilà, c'est tout. Ah non. Les terres illusoires forment un vaste monde où sont scellés l'ancien dragon et la forteresse Delicia. C'est un dragon immortel, né parmi les dieux. La déesse l'a placé à l'état de fossile pour qu'il sommeille un temps incertain. Tous les ouvrages semblent dire la même chose, mais une ligne dans l'un d'eux vous saute aux yeux, littéralement. Le sacrifice du roi Delicia permettra de briser l'enchantement et de sortir l'ancien dragon de sa torpeur. Et voilà, il y a moyen de le réveiller, le dragon. Le souvenir de votre dernière entrevue avec l'ancien roi refait surface. Il parlait d'éviter d'être offert en sacrifice. Eh, s'il avait été offert en sacrifice, effectivement, il aurait réveillé l'ancien dragon. La sécurité du roi Dean ne semble plus du tout certaine. Vous vous précipitez au château, espérant l'y trouver. Aïe, 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 ben oui. Vu que l'ancien roi, c'était le père de la princesse. C'est vrai qu'il n'a pas voulu être offert en sacrifice pour pas réveiller l'ancien dragon, mais comme maintenant le comte Dean, enfin l'ancien comte Dean, est devenu roi, bah c'est lui que si on le sacrifie, ça va réveiller le dragon. Ça ne va pas. Par contre, comment... Enfin... Le sacrifice du roi fait réveiller le dragon, mais comment le dragon il sait que c'est lui le roi, ce genre de truc? Je sais pas, c'est pas comme si... Enfin, c'est un truc avec le sang, une lignée de sang, ou je ne sais pas, parce que... Si je nomme le premier Pékin, là, roi Delicia, si je le sacrifie après, ça va réveiller l'ancien dragon, ou comment ça se passe? Cette fois encore, c'est la princesse qui apparaît devant vous. Viviane vous attendait, visiblement. Elle vous montre une lettre. Je rédige cette lettre au cas où un événement fâcheux surviendrait. Tels sont les premiers mots. Vous préparez au pire.
Dean poursuit. Je pars à la rencontre des représentants du Mornéon afin d'obtenir la couronne du dragon. Heidelande court un grand danger, et malgré mes réticences, j'ai accepté les conditions du Mornéon dans l'intérêt du royaume. Le mec, il aura régné 3 jours, à peu près. Bravo, bravo Dean. Vous comprenez alors que votre pire crainte vient de se réaliser. Le Mornéon a attiré le roi vers les terres illusoires afin de le sacrifier. Vous entrevoyez une lueur d'espoir. Les terres illusoires ont été scellées. Le dragon ne pourra peut-être pas menacer le royaume. Ils vont trouver un moyen, hein. S'ils ont trouvé un moyen pour le réveiller, ils vont trouver un moyen pour l'en sortir. Hélas, Lucain douche immédiatement vos espoirs. Il ouvre un livre poussiéreux et pointe un passage. L'ancien dragon recouvrira ses forces peu à peu, quand il aura retrouvé toute sa puissance. Aucun sortilège ne lui résistera. Ouais, j'ai pris l'arc pour tarpeau corps à corps. Ce concept, c'était une idée, j'ai voulu tester. C'est pas le meilleur plan, hein. Autant prendre le barbare, enfin le chevalier. Cela inclut la magie des runes qui le retient prisonnier. Il n'y a plus aucun espoir. L'ancien dragon menace toute vie en ce monde. Ah, désolé Andro, mais c'est pour le bien commun. Hein. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'ancien dragon ne retrouve ses forces et parvienne à quitter les terres illusoires. L'ancien dragon doit à tout prix être arrêté avant d'avoir retrouvé ses forces. Cependant, le dragon est actuellement quasi invincible. Mais il vient... Mais... Ce qui me tue aussi, c'est que la notion du temps, on l'a pas, hein. Le Dean vient de partir, j'ai l'impression qu'il est parti il y a 10 minutes. Enfin, après, c'était dans le live, certes, mais combien de temps ça fait qu'il est déjà parti? On nous dit que l'ancien dragon va récupérer ses pouvoirs petit à petit. J'ai l'impression que, claque, en un claquement de doigts, les pouvoirs, ils sont revenus. Je suis énorme, mais faut arrêter, petit à petit, c'est pas en 10 minutes, hein. Les gens, c'est en plusieurs jours, non? En plusieurs heures, au minimum. Enfin, je sais pas. Les anges, enfin... L'histoire s'enchaîne très rapidement, donc c'est vrai que la notion de temps passe très vite. Ça se trouve, depuis le début du jeu jusqu'à maintenant, on sait pas, on a peut-être fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines de chronologiquement, mais on n'a pas l'impression. Lucain vous montre une image dans le livre et vous dit de chercher des talismans. Ils permettront de réduire les défenses du dragon. Le roi d'Elysia avait reçu ces 9 gemmes de la déesse Altena. Les 9 talismans sont disséminés à travers le monde. Seuls les plus forts et les plus persévérants parviendront à les trouver. Vous devez vous rendre dans chaque région et y surmonter une dure épreuve pour retrouver tous les talismans. En plus de l'itinéraire actuel, vous pouvez choisir un itinéraire bis. Ah bah super. Il vous faut le 9 talismans pour vaincre l'ancien dragon. Super! Je suis en train de me dire que je vais devoir refaire les 9 donjons que j'ai déjà fait. Le menu réseau est maintenant disponible. Vous pouvez l'ouvrir avec option. Non, on passe pas en ligne. Et aussi, Charleret, c'est vrai que j'ai pris l'archère parce que on a décidé de. Enfin, c'est Vitini qui m'a conseillé le jeu. C'est Vitini qui elle était là à ce moment-là. C'est elle qui m'a dit de jouer l'archère. Du coup, c'est pour ça que je joue l'archère. Je me suis laissé guider par le choix des viewers. Bon, ben, un niveau au pif. Hein. Maintenant, je le rappelle en prenant ce portail. Ce vieux temple élysien, donc, enfin, bien discret, certains inoffensifs, d'autres moins. Bon, ben, je vais trouver des portails. Voilà, on nous dit que le dragon va recouvrer ses forces petit à petit, qu'il est déjà quasi invincible, alors qu'il vient à peine de se faire réveiller, le bonhomme. Et je pars à la recherche, finalement, de talismans. Il aurait pu servir ce temps où je cherche les talismans, parce qu'il retrouve toute sa force. It's my turn. Et en même temps, on est là, mais pourquoi chercher des talismans s'il n'a pas encore retrouvé toute sa force? Autant le taper maintenant. Parce que ça se trouve, le Dean, il n'est pas encore sacrifié, hein. On n'essaie même pas d'aller le sauver, quoi. C'est honteux. Lorsque vous rejoignez le théâtre du combat, Roland a déjà terrassé le dernier ennemi. Il est bien à la hauteur de sa légende.
Roland travaille seul dans cette région et n'accepte aucun partenaire. Vos conversations avec lui vous auront appris beaucoup sur ces ruines. Quel chemin allez-vous suivre ? Alors, ceci est le berceau des harpies dans les ruines inondées. Inspectez les ruines près de la source d'eau. Le harpie niveau 17 ou de terrifiant Gorgon réside dans les ruines du temps. Inspectez les ruines, mais restez sur vos gardes. Mais normalement, je suis en voie A, moi. On est d'accord ? Faudrait que je fasse la harpie ou pas du tout ? Attendez, je vérifie un chouïa. Alors, ligne de conduite. Merde, alors. Ouais. Profitez des premiers. Ouais. Les compétences communes les plus utiles. Ah oui, non, on s'en fout. Ah, au terme de ce préambule, vous aurez alors accès au multijoueur et vous devrez collecter les 9 talismans. Afin de pouvoir. En prenant la route B et en battant le boss. Bah oui, normal, parce que la route A, c'est... ici, c'est les. C'est les boss de base qu'on avait déjà fait. Ouais. Ah oui. Je suppose que c'est ça que je veux. Le jeu. À l'aide. On va voir ce que ça va donner maintenant. Avec un boss au niveau 18. Hein. Et là, Harpy, c'est le premier boss. Hein. C'était normalement, c'était le premier donjon, niveau 1. Mais malgré tout, malgré quand tu refais des donjons de niveau 1, le loot que tu vas avoir dedans va monter de niveau avec toi. Et les ennemis que tu vas combattre ne sont pas forcément non plus niveau 1. Hein. Les donjons montent de niveau comme toi. Donc ne vous dites pas qu'à un moment donné, ouais, c'est bon, je vais retourner sur les premiers niveaux, ça va être facile. Bah, pas forcément. Hein. Allez, il y en a un qui peut prendre ça là. Ah mais non, on a tous une arme, ok. Je vais plutôt prendre ça que le bras de la statue. Ils combattent tous avec un élément de la statue, les mecs. On a qu'à casser le David pour ça. Oula, 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 elle est dégueulasse. C'est bien Méduse, je la reconnais. Ah oui, vous devez à tout prix éviter, oui. Ah, d'accord, ne regardez pas dans ses yeux. If you find the going difficult, consider ducking into a building to recuperate. Sérieux, ça me touche, ça. Et c'est surtout c'est ces serpents que je vais taper. Oh, mais c'est... Oh, rien dans ces boss. Je suis où, là, le jeu? Je suis là. Vraiment cet effet de profondeur qui fonctionne pas du tout.
J'ai vraiment l'impression de par moment être pas au même cran que le coup que je reçois. Oh, parce que je me suis fait transformer en pierre quand j'étais dans les airs. Quand en retombant, ben, je me suis cassé. Je suppose que c'est ça. Ah bon, par contre, Fulian, non. Comment tu veux aussi que je le tape avec les flèches? C'est aussi pour ça que je te combats pas avec les flèches. Si quand je tire une flèche, je suis jamais dans le à la bonne hauteur pour toucher le boss. Je suis obligé de taper au corps à corps, hein, j'ai l'impression au final. Méduse se transforme en pierre et tombe en poussière. Cet acte de vengeance devrait apaiser la colère de toutes les pauvres âmes qu'elle a pétrifiées. L'archère, c'est pas mon gameplay. Sur le jeu, c'est pas mon gameplay. Je suis donc sur le fond de la zone de combat pour être le plus proche du boss. Et quand je tire ma flèche, je veux dire tirer la flèche le plus haut possible. Et finalement, même comme ça, je tire, je touche même pas les cheveux serpents qui sont encore plus hauts. Donc ça sert à rien. Et comme j'ai dit, quand je saute, je peux pas tirer à l'horizontale. L'archère tire à chaque fois en diagonale vers le bas. Donc finalement, je touche pas les serpents. Hein. Alors, si vous cherchez d'autres défis, vous pouvez continuer l'aventure. Vous pouvez retourner en ville si la fatigue vous gagne. Alors, un bonus manche suivante, on augmente le score de 0%, augmenter le rang des trésors. On va retourner de bord, oui. Adieu, oui, mais ça va être un petit peu compliqué, mais j'ai quand même gagné, hein. J'ai tué le boss. Vous avez obtenu le talisman vert, donc ça, talisman, parce qu'on a récupéré le premier, et on aura talismaster pour récupérer les 9. Identifie, je vais prendre. C'est pour toi. On peut revendre plus tard de toute manière. Évident. Bon, je savais pas à quoi. Enfin, je pensais qu'on finirait peut-être le truc assez rapidement, mais finalement, non, ça va, on sait quoi faire. William, Layla, Stevie, viens avec moi, les amis. Il te faudrait des flèches à tête chercheuse, ouais, un truc comme ça. Mais là, comme on peut voir, là. On voit un petit peu. Malheureusement, elle tire vers le bas. Bon, c'est pas grave, faut les flèches. On est en ville. Ouh, ouais, peut-être éviter quand même de tirer sur ses poteaux. Il faudrait pouvoir tirer sur comme ça, mais en hauteur. Et c'est un petit peu dommage. Ouais, enquête annexe, est-ce qu'il me propose d'autres trucs ou pas? Donc j'y suis. Alors Samuel veut vous parler, il souhaite vous faire profiter de son expérience d'aventurier et vous livrer quelques conseils. Et c'est seulement maintenant qu'il le fait. Et c'est un peu tard, hein, Samuel. Surtout qu'elle ne saute pas haut, ouais, c'est inutile de la faire viser vers le bas. Bah ouais, c'est ça. Franchement, si tu sautes, c'est pour tirer encore devant toi. Ou il faudrait aussi alors pouvoir s'abaisser si tu veux tirer un peu plus bas. Que tu ne sais pas faire. Et tu sais aussi tirer vers le... Enfin, il faut se mettre en dessous souvent, mais tirer vers le haut. Mais c'est pas toujours... Et j'ai l'impression par moment, la flèche, elle fait un peu une espèce de cloche. Elle va pas retomber là où je tire, elle va retomber un peu plus sur la gauche.
la droite plutôt. Selon lui, il faut parer à toute éventualité au combat, c'est pourquoi il garde toujours plusieurs armes répondant à toute situation. Il vous remet un sac afin de mieux vous organiser. Vous pouvez équiper les objets contenus dans le sac lors de vos aventures. Si vous pensez avoir besoin de plus de rangement, vous pouvez acheter d'autres sacs à la boutique de Morgan. Merci beaucoup. Ouais, il y a deux quêtes du coup, il y en a quatre maintenant. Alors, défrichage, le roi a toujours nommé des elfes comme garde-chasse. Ça, c'est pour aller retourner dans les bois. Détruire 30 golems de bois, ok. Il y a plusieurs types de quêtes, hein. Il y a des quêtes qui vont avoir lieu dans un endroit. Ici, les bois oubliés. Donc je suis obligé d'aller là. Et on a des quêtes qui sont un peu sur plusieurs donjons, finalement. Éliminer 10 hiboux. Ils sont pas forcément que dans un donjon. Bon, là, ils sont peut-être dans la forêt. Histoire draconique. Fouiller la pièce située derrière la peinture murale aux ruines du vieux temple. Et voilà. Opérer une résurrection sur 30 ossements au temple de Canaan. Bah ça, il va falloir, voilà. Ça, c'est, il va falloir que je récupère des ossements dans tous les niveaux. Hein? Oh, on peut pas accepter? T'es sérieux? Je vais pas à la tour du mage. Je prends ça, c'est ce que je vais faire. Ça se fait très bien. On en récolte. Donc il va falloir ressusciter en plus. Il a même pas compté ce que j'ai déjà fait. En plus, c'est même pas rétroactif. Je les aurais déjà les 30. Ouais, du coup, maintenant, je peux jouer en ligne. Si vous avez le jeu, vous êtes assez loin, là, vous pouvez me PL. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Qui veut me PL, me power leveling? C'est-à-dire une personne qui est haut level et qui va aider un petit level. Moi, en l'occurrence. Ancienne capitale. Allez. These are the ruins of the ancient capital city. Donc ouais, voilà, si je tire dans les airs, tac, ouais, elle passe un petit peu à droite, et encore à droite de vraiment pas grand-chose, hein. Ah, même pas un mètre. Ouais, hop, vas-y, y en a un qui peut prendre l'autre créature. Après, on peut donc jouer avec les 6 persos. Normalement, il y aura même moyen d'échanger les stuff qu'on récupère à ces autres personnages. Donc, faut pas hésiter à tester les différents persos pour voir lequel vous sciez le plus. Ce que je n'ai pas fait. je n'ai joué qu'avec l'elfe pour le moment. Et c'est pas... Je suis pas ouf. Je suis pas ouf avec. Rajoute la petite galère, mais bon. On n'oublie pas que j'ai nommé mon elfe Vitini. C'est pour ça que je contrôle mes viewers, je contrôle Vitini. Faut pas lui dire qu'elle est pas ouf, hein. Ça lui ferait du mal. On dit pas carry quelqu'un aussi? Oui, on peut me carry aussi, effectivement. Je crois que j'ai d'abord connu le terme de PL que de carry. Mais effectivement, oui. Et c'est je veux bien qu'on me carry, hein. Ça me dérange pas du tout, hein. Pas là, l'occurrence. Mais c'est peut-être pas ouf non plus. Hop, et ici. Bah, c'est bien, les petites montures là, par contre, ça fait du dégât. J'aime bien. Même si elles sont pas toujours pratiques. Ah, non, ça c'est. À l'autre. Une créature invoquée. Ah, Tommy est surpris de votre visite. Mais se détend bien vite. Il accepte de vous aider contre de l'argent. Un dragon rouge niche dans ces ruines, sommeillant sur des montagnes de trésors. Vous demandez plus d'informations au voleur. Quel chemin allez-vous suivre? L'abbaye, du coup, hein. Le chef Wyvern, c'est normal. Et le bandit vous indique le chemin, la voix tremblant de peur. Vous foncez vers la salle du trésor qui abrite le dragon rouge. Faut pas qu'Andro arrive, on va devoir péter la gueule à un dragon. Ouais, donc maintenant je peux équiper soit le sac 1 ou le sac 2. Mais bon, comme j'ai rien dans le sac 2, je prends le sac 1 bien sûr. Sinon, on va être un peu sous level up. Voilà! Les premiers ossements, 1 sur 30. 2 sur 30. Et il s'arrête jamais de parler, hein, la voix off. Il s'arrête jamais.
Ah ben voilà, je le disais, il ne faut pas rester près des coffres quand on les ouvre. Il y a parfois des pièges. On l'aura revu en live. Ah bah il est là le dragon. Tiens Wagner. Je suis sûr que c'est Wagner. Le dragon rouge s'est réveillé. Bah tu m'étonnes, je lui ai foutu une mandale. Ouais par contre là le... je suis pas sûr que ma créature soit efficace contre le dragon. Ouais mais non, mais tu fais quoi, c'est quoi ça, j'ai pas de niveau moi pour eux. And fighting here puts you at a disadvantage. You can escape by the door on the right. Il faut que je me casse. Il parlait d'une sortie à droite, hein. Sortie à droite. Mais le jeu. C'est quoi, c'est donc ce jeu? Ah, je suis peut-être dans un safe spot, va savoir. Ouais, je tire plus d'elle, je sais pas du tout un safe spot. Pas parlé d'un que je pouvais partir à droite. De toute façon, il y a un truc, j'ai pas tout compris. Il y a moyen quand même de, malgré que je sois mort, de ressusciter. Si vous PV tombe à zéro et que vous n'avez plus de points de vie, un message apparaît dans vous proposant de continuer. Appuyez sur croix pour offrir de l'or à la déesse. Ah. On va tester une fois et après je crois que j'abandonnerai. On mourra. Mais ouais, mais je vois même pas mon personnage dans le combat. Je me fais agresser si je suis en bas ou si je suis en haut. Et le dragon, lui, par contre, il fait ce qu'il veut, il t'attaque avec toutes les parties de son corps, il est malin. Aucun safe spot, une espèce de safe spot. Horrible. Ah, mais je paie pour ressusciter aussi mes poteaux. La thune à sa mort. Ouais, je suis pas bien. J'ai absolument pas le niveau en fait. Clairement pas. Et allez, je le touche pas là. Tu veux toucher à l'arc, tu le touches pas. C'est de la merde ce jeu. C'est horrible. Il fait agresser partout, il a partout. Mais plus évidemment, je sais pas. Et plus il meurt, plus je dépense de l'argent. J'avais de l'argent au début du niveau. Avant. Je crois que je vais rater parce que j'ai plus de thunes. Pas plus de thunes. Sincèrement. Je sais pas éviter les attaques. Tu recules, tu te prends quand même les agressions. Elle veut pas se soigner en plus de ça. 16 000 maintenant là. Oh mais vas-y. Je
jeu, tu sais pas me dire combien j'ai d'argent, s'il te plaît? Juste comme ça? Je saute, je me prends quand même l'onde de choc. Ah, je me prends les fleurs. Et on est qu'à une heure de live en plus de ça. Ouais, non, mais je vais pas savoir tenir. Je vais pas savoir tenir les deux heures. Hein. Une mignon principe. Combien? 15 000. Pas le faire, ça va pas le faire ce jeu ce soir. Ah, ça va pas le faire. Ah, j'ai combien de thunes? 25 000 qui me reste. Allez, je viens de claquer plus ou moins 50 000 pour rien. Pff, c'est mal. Ah, ça fait mal. C'est mal. Ok, ok. Il y en a un qui s'appelle Pilo vraiment dans le jeu, excellent. Ouais, ouais, non, c'est... Mais c'est abusé, les... Bon, les deux... Enfin, franchement, sincèrement, les deux premiers lives, on a fait l'histoire principale, on a fait les quêtes annexes qu'on arrivait à voir. Enfin, le premier live, on faisait un niveau, on faisait la quête annexe du niveau. On faisait un niveau, on faisait la quête annexe. Rien de plus. Deuxième niveau, j'ai fait les niveaux principaux, j'ai pris les niveaux de les quêtes annexes, mais c'était sur du... Enfin, il fallait refaire à X fois le donjon pour récupérer les 5 collectibles que demandait, par exemple. Donc ça a été sur un peu la durée, je l'ai refait entre deux lives, d'ailleurs. Mais là, c'est vrai que j'ai pas forcément... Si, du coup, en faisant ces quêtes annexes, j'ai un petit peu level up. J'étais quand même niveau 19, alors que le premier donjon finalement tesor c'était niveau 15, mais malgré ça, les boss qu'on a en fin de donjon là sur ce troisième live sont tendus, hein, sont hardcore. Puis t'es obligé de refaire les premiers donjons en route, enfin de refaire les donjons en route A pour finalement level up avant de pouvoir aller chercher le talisman. Hein. Et je sais pas si ça va être forcément, si c'est forcément intéressant de me revoir level up pendant une bonne heure. Si mon équipement. C'est vrai que j'ai peut-être un truc un peu mieux. Ouais, j'ai aussi du un peu mieux certainement. Mais ils ont quand même abusé sur le step-up de difficulté d'un coup que je viens de me prendre. Ça fait mal. Va falloir, c'est ça sur la longue. C'est sur l'ego, sinon bah que vous dites moi, enfin hein, peut-être essayer d'avoir d'autres avis. Identifier, non, réparer. Ouais, sinon je repasse sur l'ego, on avance un petit peu dessus à la place. À quoi je joue en ce moment, j'ai quoi d'autre? Non, ça sent. Non, les autres, ils sont pas encore. C'est pas spécialement commencé. Ah ouais, désolé, c'est pas toi que je voulais taper. Ah. Alors que je refais des donjons, mais c'est... Ah si, on peut toujours faire les... Enfin, on peut avancer sur les quêtes secondaires, mais... c'est où? Les demandes. Faire ça. Non.
On a quoi? Oui, ça, il me faut trouver des cadavres, ça va être sur le long terme. Les ruines du vieux temple, fouiller la pièce située derrière la peinture murale aux ruines du vieux temple. C'est vrai qu'on peut faire ça. On peut faire ce genre de truc. Faut quand même finalement level up. Bon, on va essayer quand même de voir cette... Non, du coup, je dois prendre l'écurie. Parce que si je prends le portail, je n'irai pas forcément en ruine du vieux temple. Les ruines du vieux temple, c'était quel niveau? Si, centre. Ah, ça va augmenter au fur et à mesure que j'achète, ça augmente. Enfin, au fur et à mesure que j'utilise, ça va augmenter le prix. Oh, c'est la loose. Bah ouais, boss là niveau 26, celui-là 22, 25, le 18 on l'a fait, on avait 20, on est arrivé sur lequel, non, 28, bah ouais, l'ancienne capitale, je combats un boss de niveau 30, c'est pour ça que je me suis fait démonter la gueule, je combats un boss qui a 10 niveaux de plus que moi, normal, ceci explique cela. 27, 23, ouais, quand tu vois quand même le step-up. 22... Bah, finalement, on a eu du bol, le premier, c'est tomber sur le boss le plus faible, hein, la méduse. Non, il faut que j'aille attaquer, il faut faire le labyrinthe. Voilà, son deuxième. Quel niveau j'ai dit, hein, ici oh, les catacombes, non... Les ruines du vieux temple, il me semble. C'est ce que j'ai dit. Normal. C'est bon, je suis pas si mauvais que ça, c'est juste que... je fais pas les bons trucs. Ruine du vieux temple. Fouiller la pièce située derrière la peinture murale. Oui, ouais. Si, je vois c'est où la peinture murale. Et je suis génère cher avec moi. Merci, ouais, j'ai pas fait attention, ok, j'ai mon perso qui est archer, plus et j'ai ramené avec moi une archère. Enfin, ça a été le bordel. Je vais jamais savoir laquelle je suis. Oh, faut pas que je joue avec les archères en copain. Bordel. Bon, elle jouera mieux archer que moi, par contre. C'est le bon plan. En principe. Ouais, Roland, c'est bien, mais s'il te plaît, le jeu. Despite their gentle appearances, Harpies are fierce creatures that commonly prey upon villagers and adventurers. Taking pains to avoid them would be a cruel course of action. Après, c'est vrai que j'ai encore certainement 2-3 points de compétence à augmenter. Pour ceux qui n'ont pas vu les points de compétence, donc c'est on en peut augmenter soit un point des on a deux séries cartes pour augmenter son personnage. T'as une série de cartes qui est propre au personnage auquel je joue actuellement, et t'as une série de cartes qui est propre qui est commun à tous les personnages. Donc en montant dans cette on va dire de niveau les cartes, façon de parler, vu que c'est représenté par des cartes un peu, en montant les trucs communs, quand vous jouerez avec d'autres personnages, vous aurez déjà des persos assez bons. Qui est une bonne chose aussi. On essaiera de voir ça après en sortant du donjon. Hop, au moins ça me permet aussi d'augmenter les cadavres à les 30 pour après les ressusciter, mais il faut que je le fasse de temps en temps vu que j'ai une limite de 28. Et que j'en avais déjà 6, donc je peux en récupérer que 22.
Ouais, ça c'est ce niveau-là, par exemple, j'ai dû le refaire plusieurs fois pour récupérer des soies sur ces araignées. Mais c'est du loot qui ne tombe pas forcément à chaque fois. Oh là là. Alors on évite les pics, les trous dans les dalles, au sol. Je crois qu'on arrive à la salle. Voilà, c'est ici, la peinture murale. Tandis que vous examinez les peintures murales, marquez que la zone située derrière le mur a été creusée. Ah oui, vas-y, attends. La bombe. Hop. Je crois que c'est ça. J'en ai une, ouais. Juste comme ça, non? Boum. Bon, elle est peut-être mal lancée. Peut-être mal lancée. Faut bien la lancer. Je crois que c'est... Non, mais là, s'il te plaît, là. Laisse-moi bien me placer. C'est bon, là. Hein. Non? C'est pas les bombes? Je me suis coincé. Vas-y quoi, je balance la bombe quand même au niveau du mur. Hein. Ah, il suffit de taper. Il suffit de taper. On va plus garder les bombes. Voilà. C'est relou. J'étais vraiment persuadé que la bombe allait faire exploser le mur. Bah non. C'était trop demandé au jeu. Hein. Oh. Finalement, des coups de pied, ça désagrège bien des murs déjà bien agrégés. Ah, c'est quand même honteux. C'est quand même honteux. Allez, c'est bon, c'est pas grave. Alors, quête, vous avez découvert les documents désignant l'origine des dragons. C'est bon, la quête elle est bonne. Voilà, on va terminer le donjon. Si on veut, on peut normalement quitter l'aventure. J'ai récupéré ce qu'il me faut. Mais je préfère taper le boss, ce genre de choses. Donc j'ai pas récupéré les squelettes. Oui, pop. Ça me permet d'avancer très vite sur le niveau, sur les 30. Beaucoup plus de squelettes que d'habitude. J'ai quand même cette sensation. Ça, c'est parce que j'ai récupéré la quête, tous les coups. Alors, le nouveau Bob l'éponge, tu l'as trouvé plus facile que le remaster de celui que tu as fait avec le PS Plus. Ah, bah tant mieux. Bah, c'est vrai que, en tout cas, là, ce deuxième Bob l'éponge, tu l'as terminé assez rapidement. Hein. C'est pas mardi qu'il est sorti. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Quoi, ça fait en 3 jours que tu l'as terminé. Il y a peut-être un... voilà, le boss. J'ai l'impression que tu le fais assez vite. Je sais pas prendre le... en 3 jours, ouais.
soit il est bien plus facile, soit t'as fait que ça, là. Monsieur, là, il a joué qu'à... Il a fait que ça de ses journées, il a joué qu'à Bob l'éponge. Non, non, félicitations, c'est bien. Assez rapide, assez facile. C'est une bonne chose pour les chasseurs. Il semble y avoir d'autres nids semblables à celui-ci, disséminé dans la zone, oui. Et du coup, vu que ça vient de sortir, t'as fait... ça s'enguise aussi, certainement. Donc pas très compliqué. Augmenter le score de 150%. Ouais, je peux tenter. À la nuit, voilà la bouffe, la boostify, c'est vrai. On peut faire de la cuisine. Faites bonne chère car vous devez être en forme pour la journée à venir. C'est vrai qu'on avait... J'avais à un moment donné trouvé dans les infos que c'était... Il fallait avoir accès au multijoueur, enfin un multi, oui. Et du coup, d'enchaîner. Mais je veux tester, ouais. Sélectionner un aliment avec le curseur et cliquer dessus. Rien. Ça va faire. Alors, on va prendre de la bouffe, on va prendre des carottes. Je sais pas si on les met dans le bon truc. Ah, mais sérieux, je dois faire des trucs en plus? Mais retire là! Hein? Je comprends rien! Maintenez, place. Oh, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave si c'est... Oh, mais purée, mais c'est de la merde. Mais on va quand même pas mettre la binouze. C'est de la binouze, hein. Oh, on a rien compris, là, le jeu. Ok, mais j'ai compris, mais seulement qu'après, la cuisine. Oh là là. Il faut donc bien mettre les ingrédients dans les marmites et autres, tourner un peu, et quand on n'a plus que la deuxième icône, celle de droite qui apparaît, il faut cliquer dessus, puis cliquer sur l'assiette pour donner à manger, et il faut essayer de bien cuire. Pour pouvoir un peu booster les personnages, essayer de donner à tout le monde. Moi j'ai mangé du cramé, Stevie il a quand même plutôt pas trop mal mangé, je crois que Anna aussi et Catherine, bah, elle a pas mangé elle. Elle avait pas le droit à bouffer. Ok, mais on aura au moins testé cette feature de la cuisine. Et du coup, ouais, t'as utilisé des... Ah, quand même, oui, il y avait quand même déjà des vidéos pour les collectibles. Ok. Bah, en tout cas, c'est bien. Félicitations. Hein. Ça fait plaisir. Du coup, comme tu as dit, bah, tu as toujours FF14 en attendant. Sinon, tu as parlé effectivement d'un jeu qui allait sortir bientôt. Tu as terminé bien à temps. Tout a été calculé, c'est pour ça que tu t'es dépêché. C'est fou, ouais. Ah non, c'était le méchant voleur. Voilà. Même si les méchants ils ressemblent à mes gentils, j'ai du mal, je comprends. Ah non, pas cette pièce, elle me saoule. Elle me saoule cette là. Ouais, ouais, Final Bar, la démo. Pas le jeu, c'est peut-être que ça sera pas encore de suite. Faudra attendre un petit peu que le jeu sorte. Ah, soudain un rongeur apparaît, se met à parler. Ricky, l'apprenti magicien, a de nouveau besoin d'aide. Ouais, mais on va pas y aller, hein, par contre. Il dit que d'incontrôlables sorciers ont une nouvelle fois assailli le labyrinthe. Il doit bien y avoir une raison à toutes ces attaques. Ouais, ouais, mais j'ai pas le niveau. On a clairement compris que la route bêche, c'est pas l'affaire.
Non, ah mais c'est vrai que j'ai peut-être pas regardé le niveau du boss aussi tout à l'heure, que j'ai pas vu qu'il était niveau 30. Niveau 20, ah je suis 20, il y a peut-être moyen. Si, il y a moyen, vas-y, on tente la route B, pour évidemment pleurer parce qu'on ne sera pas la faire. Il hein. Y a peut-être moyen d'avoir une deuxième orbe, un deuxième truc. Ouais, écoute. Mais allez, là, il n'y a que la magicienne qui peut taper des fantômes. Pas de bêtises. Et le jeu, il veut pas avancer. Je comprends rien. Je lance la route B, je me dis, c'est bon, au niveau 20, le boss, il y a moyen. Ouais, mes ennemis, les fantômes que je peux pas taper. Non mais si c'est pas... Si je suis pas... maudit, je sais pas ce que je suis. Hein. Je ne dois plus certainement pas jouer au loto, moi. J'ai absolument pas le cul bordé de nouilles. Jouer au loto pour moi, les amis, avec un peu de chance, vous l'avez. Vous gagnerez. N'oubliez pas de partager, bien sûr. Jouer au loto pour moi. Ah, la qualité qui a un petit souci là pour le moment. Oh, oula, oui, ça part en PLS là, les chutes. La qualité, voilà, ça a l'air d'être remonté un petit peu. Et du coup, j'avais pris. Et quand j'essaie de récupérer un objet au sol, ça veut jamais. Ça veut jamais le récupérer. C'est pénible ça aussi pour le moment. Enfin, je sais pas si c'est certainement aussi parce que je joue la recherche que je galère. Ça serait peut-être mieux avec une autre classe. Mais pour le moment, si je devais vous conseiller un VanillaWare, je vous parlerai surtout d'Odinsphère, en tout cas dans ceux que j'ai testé. Qui est quand même un peu plus simple. Il y a un rite satanique. Et du coup, ouais, t'attends aussi Octopass Traveler. T'as fini les trophées de VV14 de la 6.3, t'auras ceux de la 6.35 à venir. Oh! Mais ça veut dire que, hormis ceux de la 6.35 à venir, qui ne sont pas donc tu ne peux pas encore faire, tu es, on va dire, à 100% dans les trophées, t'as tout fait? T'as réussi tous les derniers défis de raid et autres qui te manquaient encore? Il y en avait un que tu devais encore faire? Je sais plus si finalement c'était celui que tu as réussi à battre l'autre fois ou pas, ou si c'était un autre. Je comprends à chaque fois. Non mais je suis... Deux archers, je suis perdu. Je trouve pas mon personnage. C'est le live de la galère, hein, celui-là. C'est le live qui dit, c'est bon, il n'y aura plus de live sur le jeu. Et c'est le live qui me dit que je vais devoir former un mort pour pouvoir avancer dans l'histoire. Rien que dans l'histoire, dans le premier mode de difficulté. Oh purée. C'est vrai qu'on est plus ou moins censé finir ce niveau de difficulté niveau 35 pour être plus ou moins bien. Il y a un truc avec les golems, normalement, qui me semble. Je crois que je dois en péter. Je peux casser la gueule à quelques-uns. Ah, où je viens de les retirer, les golems. Ah, mais non, c'est au bois oublié. Et puis c'est des golems de bois. Lutte. Pas des golems de... C'est pas des gueules d'argile. Oh, vas-y, le piège que je me prends dans la gueule.
franchement, j'aurais voulu l'éviter. Hop. Bon, oh, bah au moins je récupère des cadavres pour cette quête-là. Il y a un truc à looter là, je peux vraiment pas le looter ce bidule. Des fois je me fais une. Alors les sadiques sont dans les anciennes. Ah, c'est les anciennes que. Ouais, ouais, mais. Comme tu parlais ici de la 6.3. Ah, ouais, ouais, t'as fait ceux de la 6.3. Ouais, mais il te reste encore des anciennes listes. Ok, ouais, c'est bien ça. Et c'est les sadiques qui te restent. J'ai jamais la bonne hauteur hein, pour les mobs quand je tire l'arc. Ça saoule. Enfin, je suis généralement trop bas ou trop haut. J'ai ouais, j'ai quand même vraiment du mal, surtout bon, deux archers là en plus, ça m'aide pas. Mais 4 personnages, la profondeur à gérer, je galère vraiment. Je galère un peu beaucoup. Je ne fais pas grand chose de terrible. Vous repérez la clé volée près du corps broyé du magicien. La cause de sa mort vous apparaît maintenant clairement. Vous apparaît maintenant clairement, oui. La porte de la prison est grande ouverte. Ah, pas besoin de la clé alors. Si vous fermez la porte avant. Ah! Ah oui, 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 il faut fermer la porte avant que. Mais comment? Ouais, c'est fait. C'est fait. Mais la clé est dans la cellule, dans la serrure. Hein. Normalement, on doit pas en avoir d'autres. Ouais, mais évidemment, ils vont. Mais non, 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 c'est. Eh ouais, mais chaud de beau, là. Ah, je l'ai plein. Ouais. C'est quand même des cyclopes qui essaient d'entrer, hein. Malgré tout. Ouais, ouais, ouais. The Cyclopes are furiously resisting your attempts to close the door. Non mais par contre les potes faut taper le cyclope qui essaie de l'entrer. Hein. Tout c'est la priorité. Mais voilà, bande d'idiots. Ils essaient pas de contrôler la venue. Mais ça va aller. La barre de vie est bientôt finie. Ouais, les sadis, ouais, son nom d'assainisme pas fini à 100% parce que trop dur, mais tu vas y arriver. Hein. Avec le niveau, tu retires la synchro et puis ça va le faire. Alors, Ricky, l'apprenti magicien, il fout de joie, il vous remet une belle récompense, un des talismans. Non, mais par contre, c'est bon, là, je retourne en ville. Hein. Donc, quand je retourne en ville, on s'arrête là, hein, le jeu, faut arrêter de déconner. Ah, presque un niveau de plus. Vous avez obtenu le talisman azur, quasi deux niveaux. Et on a réussi histoire draconique. Ah, putain, par contre. Mais. Non, je vais en prendre aucun. Et des arcs. Il faut que je refasse mon stock de pognon. Hein. J'ai tout perdu. Sur le boss sur le dragon niveau 30. Quel idiot. Je te prends toi.
quoi je te vends. Donc au moment je vous prends. Non, je vais pas vendre. C'est quand même plus simple quand on cherche pas à taper des trop gros. Oui, oui. C'est quand même plus simple quand on prend des boss de ou des niveaux de son niveau, effectivement. Après, c'est pas drôle. J'ai vraiment pas vu que c'était niveau 30. Attends, non. On va revoir si c'est bien ressuscité la quête que tu me demandes. Tu me demandes. Résurrectionner. Enfin, résurrection. On perd une résurrection sur 30 ossements. Et c'est payant aussi. Il y a tout qui est payant dans le jeu de toute manière. Résurrection. Ouais, par contre. On sera à 26 déjà, il ne me restera plus que 4 à la fin de toute cette lignée de bonhommes. Évidemment, pour le platine, il faut terminer toutes les quêtes annexes. Et en faisant les quêtes, on récupère un tableau. Il faut tous les tableaux. Pas assez de place pour ressusciter. Ah oui. Évidemment, j'ai une limite de personnages dans le Havre. Donc je dois en virer. Dégager les bons hommes, je n'ai plus besoin de vous. Ben ouais. Alors. Ouais, ouais, mais qu'est-ce que je fous encore des niveaux tout pourris là. Va te dégager là. Hein. Tu dégages, Benoît, t'es naze. Hein. On t'avait jamais aimé. On s'en souvient. On se moquait tous de toi. Ah, on a perdu cher. Ah, on a perdu la chanteuse cher. Ça, c'est pas moche. Hop. Ah, c'est quand même plus facile, effectivement, j'aimerais, mais c'est moins drôle. Et puis, vous êtes là pour me voir galérer, pour me voir mourir. On va refaire dépenser tout mon flouze comme un idiot. C'est un peu... Il me semble que je disais... Non, j'ai plus la liste. J'avais donc un trophée pour enterrer des ossements aussi. Une centaine. Je suis en train de ressusciter ceux des personnes dont je vais me débarrasser directement. Hein. Gardez les 21 avec moi. Les 18-19, j'en veux pas. Je prends pas les nazes là. C'est moi qui dois me faire PL, hein, qui dois me faire carry. C'est pas moi qui vais vous carry les gens. Gretchen là. Connally là. Non. Hein. Voilà pour vous carry. Hein. Normalement j'en ai ressuscité 26. Plus que 4. Moi, patron, je ferai des ravages. Oh non, je pourrais pas être patron. Moi, je serais pas être patron. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ah non. Pas pour moi. Hein. Enfin, ou alors, juste pour moi, quoi. Oh, je plaindrai mes futurs employés. Mes futurs collaborateurs. Bon, on a les 21-22. Alors, on a Connally. Ah, mais Connally, il reste encore là. On va Godwin, tu dégages. On a Laurie. Alors, on va prendre Et Stevie, tu dégages. Anna. Hop, vous dégagez. Adèle et Bernice. Non, c'est Bernice. Dégage avec Jade. Et on va garder Kelly, donc Gretchen, des bisous. Vas-y, on a lié, oui. On va prendre Connally, on va prendre Anna pour avoir deux magiques, et on va prendre un physique avec soi. On va prendre Laurie. Comme je suis archi distance, mais c'est physique. On va essayer de faire un mix bien mixé au cas où on a des mobs. Comme les fantômes où il faut être magique.
Si j'ai une groupe de physique, je suis un peu dans la merde. La quête annexe, elle est faite, on va pouvoir la rendre. Quête. Alors, histoire draconique, c'est fait. 1500 or, 4000 XP, ce qui va me faire monter de niveau d'ailleurs. Avec un joli tableau animalier. Les ancêtres des dragons se sont révélés grâce aux antiques textes éliciens. Adaptés aux terres comme aux océans, ils purent se développer et acquirent toutes sortes de formes de talents. Les mages d'antan créèrent un sort destiné à contrôler les dragons et destiné à accaparer leur pouvoir. Puni par son arrogance, Elysia fut détruite il y a bien longtemps par l'ancien dragon. Voilà, level up niveau 22. Je compte un peu mes stats. Il y a des nouvelles quêtes, on a quoi? Éliminer 10 poissons tueurs, ok. Aller aux ruines du vieux temple, encore? En solitaire et vaincre la harpie. Définir les autres emplacements de groupe sur rejoindre désactivé à la taverne. Ok. Non, bon, on prend pas de toute façon. Ah voilà, prendre compétence, je parlais. Donc les jeux de cartes ou de tarot, on a un deck pour l'elfe et un deck pour une des cartes communes. Je suis niveau 22, qu'est-ce que je peux augmenter ma vie? Peut-être l'attaque glissée, non. L'or, c'est la vie aussi. Oui. Augmenter les PV max, oui. L'entretien donne une chance de ne pas réduire le nombre de charges d'une arme temporaire. Ouais. Réduit les délais d'utilisation entre chaque objet. Je sais même plus comment on utilise les objets. Même pas comment on les utilise d'ailleurs. Bon. Ouais. Augmente le nombre d'esquives. Ouais, bah. Il y aura, je pense, certainement un trophée pour augmenter toute une compétence de niveau max. Donc ici, genre 5, 10, plus ou moins, je crois que je l'ai vu ou j'en suis persuadé. Augmente le nombre d'emplacements dans le sac. Ouais. L'elfe. Donc sur l'elfe elle-même. Il manque un niveau pour pouvoir porter pour porter des flèches en plus. Un flèche de choc. Je sais même pas comment je fais pour utiliser. Enfin, ça doit être dans les objets. On met du poison sur pour ses flèches et autres, ou de l'huile. Ah, la magie spirituelle, ouais, il faudra peut-être prendre pour pouvoir taper les fantômes, je suppose. Un peu compliqué. Bah pour le moment, non. Il a un truc avec une... Enfin, il y avait des examens, je sais plus trop de quoi à passer. Et je sais qu'il est aussi pas mal occupé par sa son ASBL. Je lui dirais que vous le réclamez un petit peu là, hein, le bonhomme. Il viendra peut-être faire un live. C'est honteux, là. Il vous abandonne un peu, le bonhomme. Ça se fait pas, hein. Ça ne se fait pas. Alors, on est à random, hein. N'oublie pas, on fait pas la route The inside of the cave connects to a fissure on the coastline. It seems large enough to contain another... Ça se trouve, ouais, je suis venu ici, mais je serais peut-être même pas faire de quête annexe, en fait. Je prenne l'écurie pour aller où je veux. Ouais, vas-y, essaye, j'y vais. C'est un piège.
Et si je prends l'écurie, ça permettrait de voir. Ah, au moins que ça soit peut-être pas forcément le nombre d'utilisations, mais par rapport au niveau de mon groupe et de mon personnage, c'est peut-être pour ça que le prix augmente. Vu que je monte de niveau, que je prends des personnages plus forts, ça coûte plus cher. Même si c'est de l'arnaque, évidemment. C'est peut-être eux les poissons tués ou c'est ceux qui sont dans l'eau et qui sautent. Oui, c'est ceux qui sont dans l'eau et qui sautent de temps en temps, ça doit pas être eux. Oh, une voix mélodieuse vous appelle depuis l'océan, blablabla. 26, c'est non. Entrez dans le repère, oui, on va faire les pirates. Je ne prends pas la voix B, je n'ai point le niveau. Salut Alker, comment vas-tu? Voilà, c'est vrai que j'ai pas fait attention au cadavre juste avant. Non, mais normalement, on n'avait pas tant que ça. Tu as raté le moment à Kéor où j'ai tenté de combattre un dragon qui avait ne que 10 niveaux de plus que moi et qui m'a grave poutré la gueule et sur lequel j'ai dépensé toute ma thunasse pour tenter de l'avoir à long terme, mais la résurrection coûtait de plus en plus cher et je n'aurais jamais eu assez d'argent pour le finir de toute manière. Je fais pas attention aux ennemis que je combats, moi. Je vais combattre des dragons au niveau en espérant et pouvoir les tuer avec mon petit cure-dent. Et c'était pas ouf. Et c'était le moment où je me suis dit, ouais non, le jeu, ça va être compliqué, hein. Mais ça va, j'ai compris que j'étais débile, en fait. Ça aide. Et surtout, tu viens assister à la seule personne qui joue avec une archère, mais qui combat au corps à corps. C'est une technique ancestrale que j'ai acquise, que peu de personnes connaissent. C'est pas évident. Alors, hop. Il y a encore un cadavre. Je crois que j'aurai j'en ai au moins récupéré 4, il me semble. Pour aller ressusciter, récupérer finir sa quête. Normalement. Voilà, bien vérifier, bien sûr. Ouais, trop fort, hein, point faible, trop fort. Et point fort, trop faible, c'est connu. Et j'avais pas vraiment fait attention que le dragon que j'allais combattre était de niveau 30. Hein. Je croyais qu'il était de mon niveau. Ouais, là, c'est bon, là, je récupérais. C'est sûr, 4 cadavres. Il n'y a plus qu'à les ressusciter maintenant. Non mais faut pas ressusciter des ennemis qui ressemblent aux... Enfin des ennemis. Moi après je pense que c'est l'ennemi. Idiot, je l'ai déjà dit dans le jeu. Mais j'ai à récupérer un truc pour pouvoir lancer des espèces de flèches magiques. Normalement. Sauf on m'a dit d'appuyer sur carré pour alterner. Sauf que ça fait que dalle. Hein. Ça fait que dalle. Bon, il y a le feu sinon, avec la torche. Mais je sais pas. En appuyant sur carré, ça change pas mes flèches en flèches magiques. Vu
vu que j'appuie sur carré, c'est quand c'est pour taper, c'est la touche carré. Il y a un petit souci là, je... Oh là, il y en a qui me veulent mieux dessus. Je m'en rends compte, que dalle. Oh, et il est... Oh, et il y a des petits vers de terre, vers à terre, hein, dégueulasse. Non mais on se casse les gens, c'est dégueulasse ta zone. C'est pas aussi dégueulasse dans Blighthorn de Dark Souls. Dans la zone du crépuscule. Je vois pas mon perso. Je crois que j'étais mort. The pirates have the magic lamp. Your situation will turn quite dire if you don't take it from them. Il y a une lampe magique quelque part. The pirate is called the genie. Quick, get the lamp out of the pirate's hand. Je vois pas mon perso. Je vois pas mon perso. Ah ouais, je crois que c'est moi qui l'ai invoqué le génie. Ouais, c'est moi qui l'ai invoqué le génie. C'est le bordel à l'écran. Théo, c'est pas mieux. Il est passé mardi ou la semaine passée? Il est passé il y a pas longtemps, ça avance pas mieux, hein, ça, malheureusement sa maladie. Enfin, son maladie. Enfin, si, c'est malade, son mal plutôt, c'est pas. Enfin, son maladie, son être, diront certains. Ça n'avance pas mieux, ça ne se guérit pas. C'est pas forcément pire, ça n'empire pas, mais ça ne s'améliore pas. Mais il va tenter quand même de, avec la démo qu'il va avoir de Final Fantasy bar Theatre Rim demain. Enfin, sur demain, il a dit qu'il allait peut-être essayer quand même de faire un live pour montrer ce que vaut cette démo. Non, retourne en ville, on a dit. Faudra que je revoie avec lui s'il va être en état ou pas. Mais normalement, peut-être bien live prochainement. On espère en tout cas. Mais sinon, des dernières nouvelles, il était renouveau en sous-certificat médical. Alors, on a ressuscité 4, Alex. Type 4. Donc ça. Maurice, on n'en a plus de chevalier. Allow this. Oui. Ça suffit pas? Non, c'était 4, hein, il me semble. Consulter les demandes, on sait pas combien. Ouais, mais il m'en manquait bien. Finalement, c'était 25 et pas 26 que j'ai fait tout à l'heure. Wandering One. Ressuscité. Bertha. Ouais. Une autre quête annexe, on va peut-être level up grâce à elle. Quête, j'en ai une, monsieur. Oui, voilà. Oh, une belle image. Le titre de Saint-Marc des Roses vous a été accordé en récompense de vos efforts exemplaires. Le véritable Saint-Marc des Roses soigna bien des maladies à l'aide de thérapies et de médicaments. Cette approche différait des remèdes mystiques prescrits par les prêtres et l'Église se méfiait de telles pratiques. Les compétences médicales de Marc des Roses se développèrent jusqu'au jour où, grâce au sang de Méduse, qu'il acquit selon la rumeur auprès d'une déesse, il parvint à relever les morts. Il continua de s'occuper des malades avant de mourir frappé par la foudre. Aïe, par la foudre. Et ça me fait level up niveau 23. 23 et demi même.
Une nouvelle quête a été ajoutée. Retrouver les recherches. Oh, Ricky. Qui veut dans le laboratoire de Wallace marcher sur les interrupteurs dans l'ordre afin d'ouvrir le... Ah, si, si c'est ça. Si c'est celle que je pense. Si c'est le donjon que je pense, enfin, en principe, je connais l'ordre. Ouais, ouais, si, je connais. Je connais l'ordre. Wallace. Ouais, ouais, 10-12 heures, c'est long. Et évidemment, il fera pas un live aussi long. Ce sera un petit live. Les écuries, ouais. On va retenter Wallace. Normalement, si je me trompe pas de donjon, je sais. Ouais, 720. En tout cas, c'est plus cher. Voilà, son ami. Mais c'est con que j'avais pas la quête avant. J'ai fait ce donjon enfin, il y a pas si longtemps. Ah, je suis pas allé chercher des potes. That fearsome monsters are held captive in the depths of this hazardous trap-filled maze. Oh. Voilà, mais le niveau. Non, ça c'est mon pote. Quand on vient dans ce genre de niveau sans avoir ramené des copains avant à la taverne, ben ils vont arriver petit à petit. Enfin, évidemment, c'est une archère qui vient avec moi directement. Et ben c'est random. Je sais pas ce qui va arriver. Ça va être selon le bon vouloir du jeu. En espérant qu'il fasse une équipe quand même un petit peu assez homogène. Ça sert de sauver les fées. Ça doit être intéressant, mais je ne sais plus. Non, de toute façon, pour le moment, rester 10 heures comme ça assis, il sait plus. Hein. Parce que c'est ce qu'il devrait faire pour le boulot. Hein. Il reste assis devant son ordinateur aussi pour le boulot. Et il sait pas le faire. Donc il serait pas le faire en live. De toute manière. Normalement c'est pas cette pièce-ci, je vais quand même vérifier, mais c'est pas celle-là. Peut-être un live ce week-end, ouais, je sais pas encore, il le sait peut-être pas forcément lui non plus, bien sûr. Ouais non, je sais pas ce coffre-là, on va pas le faire celui-là. C'est un petit peu chiant. Suddenly, a rodent. He says, which path will you take? Bon, on prend là. On est absolument pas prêt pour le 2. The door to the laboratory is through this hall. They're here. It's Mais oui, en tout cas, ça lui manque de ne plus pouvoir faire de live, hein, sachez-le. Hein. Et je vais pas avoir un autre bonhomme à un moment donné qui va arriver. Voilà, c'est derrière cette porte-là. Normalement, c'est derrière cette porte-là que se trouve le coffre que je dois récupérer. Avec une combinaison... Ah, c'est pas... Ah, alors, c'est... Non, c'est la porte du milieu. Il y a d'abord cette pièce-là, hein. Je ne sais absolument pas par contre comment on fait pour connaître la combinaison pour ouvrir ce coffre. Voilà, le coffre il est là, comme on peut le voir il est derrière une grille. Et il faut passer sur 4 dalles. Salut Andro, comment vas-tu? Il me semble que c'est une série de 4 dalles pour ouvrir la grille et pouvoir accéder au coffre. Hop, on fait donc la dalle rouge, enfin on ne voit pas parce que l'Amazon a décidé de pop à ce moment-là, mais il y a une dalle rouge juste ici. La dalle juste là, la dalle bleue ici ensuite, suivie de cette dalle violette. Et ça fait
que la grille s'ouvre, mais je ne sais absolument pas comment on découvre cette combinaison. Mais c'est ça. C'est l'internet qui me l'a dit, bien sûr. Voilà. La quête annexe est faite. Il n'y a plus qu'à la rendre. On vient de tester la cuisine, en effet. Enfin, on vient de tester. On a pu tester la cuisine il y a quelques 2-3 donjons de ça, parce que on a enfin débloqué le mode multijoueur. Et on peut maintenant enchaîner les donjons. Et j'ai un peu galéré sur la cuisine, hein, sur ce qu'il fallait faire, c'était pas clair. Il a fallu galérer pour comprendre comment passer. Et maintenant c'est bon, j'ai compris la cuisine. Et bien sûr enchaîner pour ça les donjons pour pouvoir cuisiner. Ce qu'on ne fait pas pour le moment, on repart à chaque fois en ville. C'est pas spécialement l'utilité. Hop. Mais effectivement, on a de la cuisine. On a fait un rôti dégueulasse parce qu'on l'a pas vraiment sorti à temps, il était un petit peu cramé. On a fait une soupe, une espèce de... Non, pas de soupe, là, je sais pas, un bouillon, je sais pas trop quoi, pour un bonhomme. Il y en a un qui a pas mangé, hein, c'est l'elfette, elle avait pas... qui était avec moi, elle a pas mangé. Elle a dû faire ceinture, la pauvre. Et on a absolument pas pour augmenter les loot les gains en tout cas dans les donjons suivants en les enchaînant. Mais je ferai ça plutôt hors live. Et comme j'étais en train d'essayer de le dire, je n'ai absolument pas attaqué un dragon au niveau 30, hein, sache-le. Si on te dit ça, c'est qu'on te ment, on te donne des mauvaises informations. Les dragons sont mes amis. Je n'ai absolument pas essayé d'en tuer. Hein. Et il n'a pas absolument pas fait dépenser toute ma thunasse, plus ou moins, un truc à peu près. Sache-le, j'aime les dragons. Les dragons sont ma vie. Ainsi que la cuisine. Non mais le jeu reste quand même... Je galère toujours autant. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi le personnage. Je suis... C'est pas un personnage pour moi, l'elfe. Pas pour mon gameplay. Ah, de toute façon, il faut quand même jouer avec l'elfe, et il faudra jouer avec un peu tous, parce qu'il y a un trophée qui va me demander de tuer le boss final, au moins de la route 1, enfin, je pense, de la route A, avec chaque personnage. Bon, après, vous allez dans le donjon avec votre niveau 1 à la limite, à peu près. Vous y allez avec des persos qui sont en niveau 30 et ça se fait. Ça doit certainement se faire pas trop assez bien, peut-être. Enfin, on galère un petit peu en devant faire gaffe évidemment à votre personnage qui sera très faible. Ça doit se faire. The grubs are turning into cocoons. You must destroy the cocoons before they hatch into beetles. Non, 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 j'ai absolument pas combattu un dragon rouge, Andro. Absolument pas. Hein. De niveau 30, alors que je ne suis que niveau 20. Ça ne s'est absolument pas passé. Voilà, si on continue l'aventure... Pour augmenter l'or, vas-y, pour augmenter l'or, on a besoin d'argent.
On va tester la cuisine. Potentiellement, non. Mais pourquoi je cuisine pas? Pourquoi je cuisine pas? Pourquoi tout à l'heure j'ai cuisiné et pas maintenant? Ouais, mais après, à quel moment je cuisine? Ah oui, il y avait cuisiné, j'ai pas refait attention, c'est pas grave. Pour gagner plus d'argent. J'ai un peu besoin d'argent. Parce que les écuries, ça coûte de l'argent, tout simplement, bien sûr. Oh, c'est bien des statues, ça. C'est pas des ennemis. C'est incroyable, elle avait raison. Oui, non, mais la religieuse, c'est pas maintenant. Hein. Le mom niveau 28, on sait pas le faire. Hein. On va se faire goumer la gueule. Hein. With the holy power to repel demons, you must stop the evil resurrection ritual. Ah, voilà, les fantômes. Avec le feu, y'a moyen. Ah ouais, surtout qu'ils m'ont absolument pas donné un magicien avec moi. Donc il n'y a que ma torche qui peut tuer les fantômes. Oh my. Sinon ta journée. Mais j'ai chanté l'ode la gloire de la Vita. Je l'ai chanté. Vive la Vita. Vive les dragons. Vive VanillaWare. Mais vive Odinsphère. Pour le moment. On aurait réussi quand même à continuer. On traînera pas forcément trop, peut-être encore une fois, encore un donjon après, avant de s'arrêter. Mais le jeu est assez... serait quand même assez répétitif et assez long hein, pour le tout faire. Hein. Surtout que je suis toujours en première difficulté, trois difficultés à faire, enfin trois difficultés qui vont monter au fur et à mesure. Non mais reprends l'arbalète. Ah, fuck. Les
les uns qui n'agissent pas comme j'aimerais bien. Et j'arrive pas à m'y faire. J'arrête pas de tirer avec les armes de la façon dont je veux qu'elles tirent. Et je me fais pas à la façon dont elles tirent. Du coup, à chaque fois, je tire dans le vent, plus ou moins. Et finalement, je joue corps à corps. Finalement, c'est plus simple. Vous me parlez ? C'est long quand on gâche 50 000 pièces. Ouais, c'est juste, il y aura juste un petit peu de farm en plus, effectivement, mais ça va. Après, j'aurais peut-être pas spécialement besoin de les farmer entièrement, ces 50 000. Mais un petit peu, ouais. Mais non, de toute façon, même pour monter de niveau, pour upper mon personnage, pour faire les donjons. On voit combien de temps pour moi prendre un donjon, déjà. Pour faire les quêtes annexes. Certaines quêtes annexes, ça se va, ça, comme on a pu voir, c'est en faisant un donjon, tu vas pouvoir finaliser la quête annexe. Il y en a d'autres, mais il va falloir refaire encore et encore le donjon. Je l'ai dit, il a fallu que je récupère 5 toiles pour Gabrance. Bah, les donjons, il a fallu que je le fasse quand même 3-4 fois le donjon pour récupérer les 5 toiles. Hein. Les araignées n'en donnaient pas à chaque fois. Enfin, il y a des donjons bien plus longs que d'autres aussi. Celui-là est assez long. Enfin ouais, loot. Bah ouais, mais bon idiot, vous voyez pas qu'il y a des flammes. Ouais, quand même. D'être neuneux au jour. Ah, vous vous souvenez de la leçon de Lucain? Oui, sur l'activation, bien sûr, des runes. Faudra mon propre golem. Ah, par contre... Soit ma manette drift un peu, soit la main, elle est pas maniable. Voilà mon propre golem. Viens avec moi. The demons notice the statue coming to life. Ça se voit quand même une statue qui vient à la vie. C'est pas normal. So that it does not get destroyed before it reaches the temple. Ah, c'est vrai qu'il venait des deux côtés. Ah, mais c'est les chiens de l'enfer, ça. Il y a un truc qui me. Vas-y, quoi. Ouais, c'est les chiens de l'enfer. Ah, il faut que je fasse ce donjon tout seul aussi. Ou avec des persos bas level. J'ai un défi. Une quête annexe qui me demande de me faire charger par 5 fois par des chiens de l'enfer. Mais bon, si on les tue avant qu'ils me chargent, je vais pas pouvoir avancer dans le défi. Je suis où? Chargez-moi les mecs. Mais ils me chargent pas. Est-ce que vous êtes les seuls chiens de l'enfer que je veux ou pas? On s'est fait tuer tous les trois, voire tous les quatre en même temps. On peut pas se prendre les couilles, les golems. When you raise up the holy seal to the temple altar. Myriad pillars of light shine down from the heavens. Thanks to your efforts, the Demon King's resurrection
will not come to pass this day. Mais pourquoi donc tu n'avais pas voulu que je dîne, que je fasse de la cuisine? On voulait en refaire un petit peu pour voir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a récupéré un petit peu d'argent. On monte de niveau surtout. On a fait une quête annexe. Ouais, on avait quand même pas mal d'argent avant. Mais ça c'était avant. Un arc 25, ouais. Prends celui-là. Des bottes rang A, on va prendre. Le cap rang A, on prend. Le E, c'est le E. Vas-y. E, D, C, on vend. On prend pas la merde. Quête annexe, je regagnerai de l'argent. Alors, on a une quête annexe et on... peut-être un petit donjon. On va essayer. Alors, 2000 d'or pour ce magnifique tableau d'une madame pourchassée par le scarabée. Les scarabées maudits, soumis à de forts courants magiques durant leur maturation, émergent parfois de leur cocon, arborant une corne géante. Le magicien Wallace semble être parvenu à établir un lien entre la magie et l'évolution de Scarabée, et tenter d'accélérer le processus mutagène. Ricky, étonnamment, constitue un exemple réussi de ses expériences. Il cuine avec ferveur, assurant qu'il fera de son mieux pour achever les recherches de son maître. Et on a une nouvelle... on a plein de quêtes, à chaque fois tu me donnes des quêtes, le jeu, là... Amour de la meute, ouais, on s'est fait attaquer zéro fois, si c'était bien les molosses, en tout cas on s'est pas fait attaquer une seule fois. La tour du mage, non, on veut pas. Les bois oubliés. Les hibours, bah, c'est quoi? Je sais pas où c'est surtout. On a des plans dans la forteresse de Bilbaron. Retournons au labyrinthe de Wallace, soufflez les bougies dans la pièce avec le cercle magique et cherchez la statue du faux dieu. À l'aide. À l'aide. On va essayer la forteresse souterraine de Bilbaron. On va voir. On va voir si on roule, sinon c'est pas grave. On pourrait farmer un petit peu d'argent. Bilbaron, on a dit. Non, c'est l'autre. Oh, niveau 22, le boss. Où on tente le boss. The Orc army presently controls Bilbaron, the underground fortress built into the canyon. The king's army has been mounting a fierce offensive to try and reclaim. J'ai oublié d'aller chercher des copains. Surtout si tu me redonnes l'elfette, c'est bon. Hein. Perdu moi si tu me redonnes le même perso. Ah, oh, puis si c'est avec les flammes. Ouais, oh, non, non, non. Zéro dégâts parce que j'arrive pas à la ramasser. Quand j'arrive enfin à la ramasser, ben on me pousse. Donc je la lâche. Ah, la cuisinière, ouais, non, non, mais non, non, non. Oh, route A. The king before the previous king ordered the construction of a large fortress as preparation for an orc invasion. Many dwarves lent their skill to construct this sturdy underground fortress, ensconced in the canyon wall.
Oh my. Dans une pièce secrète, c'est ça, hein. Non, on l'a pas encore loupé. Je pense pas. Faut faire gaffe à... au bois. Ah, voilà. Perso, les soins. Ouais, l'Amazon est un peu débile, elle arrive pas à passer sans se faire agresser par le bois. C'est quand même honteux de pas savoir éviter une barricade. Si, ça. À mon avis, c'est ici. Alors, est-ce que c'est ici? Est-ce que je vais pouvoir casser en tapant? Non. J'ai encore une bombe. Est-ce qu'il y a une bombe? Ouais. On va tester en lançant la bombe près du mur, en espérant que ça explose. Oui. Ah bah c'est pas grave, prends-le. En espérant que ça soit ici, bien sûr. C'est pas encore ça, mais c'est pas encore nous. Ouais, nous avons tenu les plans. On était dans la bonne pièce. Heureusement qu'il y avait une bombe pour ouvrir le passage, sinon il aurait fallu revenir. Ok, c'est bien, une quête annexe de plus. Ah, on avance petit à petit quand même dans les quêtes annexes. Malgré tout. Pop des ossements à chaque fois que je change de que quand je reviens dans une zone, quand je peux revenir du moins. C'est pas toujours le cas. Ça permet d'avoir des ennemis en plus grand nombre, hein. Enfin des amis en plus grand nombre. C'est un peu chiant qu'il faille demander aux voleurs à chaque fois d'ouvrir les portes. Autant les coffres, ok, à la limite, mais les portes, surtout quand c'est les portes qu'ils me demandent d'avancer dans le niveau. Ah, par contre, ici, ce niveau, ce passage est chiant ce coup-là. Il y a des. Avec les tonneaux qui sont remplis de feu. Bah, d'huile, du moins, et voilà, quoi, ils foncent sur les tonneaux d'huile comme des débiles. What? Voilà, et moi je vais me faire. Je vous perds. Et les tonneaux clairs sont des tonneaux remplis d'eau. On va bien pouvoir éteindre les flammes à un moment donné. Pour des fantômes? Ah non. Be careful!
Fais gaffe aux couleurs de feu. Oh mais non les gens, mais comment ça là, tout ça qui prend le feu là, qu'est-ce qui se passe? Faut que tout qui crame. Enfin, je me casse. Ils ont goûté le feu tout seul ou... On a fait tomber encore un truc pour qu'ils se prennent tout ça en feu. Donc c'est des égouts, c'est bon, à un moment donné... Faut que ça prenne feu, hein. C'est censé être un peu mouillé, hein, dans les égouts, un peu humide. Ah, le Minotaur. Ouais, le Minotaur, c'est lui, j'ai eu l'impression... Non, je suis retourné en live pour faire l'expérience, pour les quêtes annexes. Le bonhomme, j'évite ses attaques. Enfin, je trouve que j'évite son... Je faisais des trucs pour éviter une attaque, je me la prenais quand même. Donc je sais pas s'il y a moyen d'éviter. Cette attaque-là, là, je sais pas, j'essaie d'esquiver, je me la prends à chaque fois. Impossible d'éviter. Mais vas-y là! C'est quoi ça aussi? Putain, le jeu qui met 3 heures entre pop. Ouais, l'attaque chargée elle fait plus de dégâts, mais elle fait pas tant que ça, je trouve. Enfin, j'ai pas toujours l'impression que ça vaut le coup de charger. Toujours évidemment. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf les dégâts de l'attaque de mes flèches chargées par rapport aux flèches normales. Il faut un peu plus de dégâts sans plus. Voilà, on s'enfuit. On retourne en ville. On a récupéré les plans de la forteresse. Vas-y, je prends tout, j'irai après. On va aller rendre la quête et on va s'arrêter là. Pour ce soir. Et certainement pour le jeu. En live en tout cas. Quête. You have a request. Voilà, les plans de la forteresse. Oh, collectionneur aguerri. Vous avez obtenu 10 œuvres d'art. Donc ça veut dire qu'on a réussi 10 quêtes annexes. Je peux regarder, je regarderai après. Les gobelins complotaient secrètement contre leurs propres alliés, les orques, qui avaient pris le contrôle de la forteresse de Bilbaron. Elle doit être 23, 24. À long terme, le but des gobelins était de construire une forteresse volante, la Terreur des Cieux. Selon les plans, celle-ci aurait fait la taille d'une baleine géante et aurait pu embarquer plus de 100 gobelins. 20 canons de gros calibre l'auraient armée et sa vitesse aurait été telle que la forteresse aurait pu traverser Heideland en une seule nuit. Sa réalisation aurait permis aux gobelins de se rendre coupables d'une vague de crimes sans précédent. Or, heureusement, vos efforts ont permis d'éviter qu'une telle chose se produise. Vous avez probablement sauvé le royaume. Et personne ne sort. Bah, je suis niveau 25. Et jamais personne ne le saura, bien sûr. Et j'ai bien sûr une nouvelle quête aussi. Les morts qui marchent. Vaincre 5 bretteurs squelettiques. Ouais. Ouais. Bon, de toute manière, ça... les guides et autres me diront dans quel donjon aller. Où sont les ennemis à combattre pour ces quêtes-là, parce que... À mon avis, ça doit être dans les deux derniers les deux nouveaux donjons du jour. Il me semble qu'on a combattu des squelettes épéistes. Rapport d'aventure, nous allons sauvegarder, bien sûr. Voilà. Non, on peut rester un petit peu. On retourne à l'écran titre, par contre.
Ouais, prochain live, je fais surtout. Il faut surtout que je fasse les quêtes annexes, que je level pas mort, pour pouvoir être genre déjà niveau 30, et commencer à refaire toutes les orbes manquantes, et tenter de combattre pour la première fois un dragon hein, qu'on n'a pas encore combattu une seule fois. Hein. Attention, un druide dans les parages. On n'a pas encore tenté de combattre le dragon rouge, on le rappelle. On n'est jamais arrivé, vous l'avez imaginé. sur ce, du coup, la semaine prochaine, Lego, on verra si j'ai eu le temps d'avancer sur Dragon's Crown Pro pour peut-être effectivement tenter de combattre pour la première fois, bien sûr, en effet, Andro me croit, ce dragon. Et si j'ai pas le temps, il y a d'autres jeux de toute façon qui sont sortis, qui vont sortir, que j'ai un peu prévu de faire sur la chaîne, donc vous en faites pas. Ça va revenir, ça va se faire assez bien, la qualité qui empâtit un petit peu, qui revient en force. Pour ce, je vous souhaite une bonne nuit, peut-être Théo ce week-end, on verra, ou dans pas longtemps, on espère en tout cas. Pour ce, des bisous, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, comme disait l'ami Guillaume, Franck Guillaume plutôt. J'ai pris Watt. J'ai pris cher, peut-être. We are here together. Non, je l'ai pas encore pris, mais je vais le prendre. Je le prends demain matin. Sinon, c'est samedi. Mais je vais le prendre. Ne t'en fais pas, on pourra. Oh, ce week-end, je sais pas si on sera joué ce week-end, par contre, mais il faudra qu'on se programme ça en draw. Mais évidemment, je vais le prendre. We are here together. Voilà. Bonne nuit, à la prochaine. Hein. Lego, bien sûr. Et d'autres jeux à venir. Mais We Are Here Together, je crois pas qu'on le fera en live, Andro, sache-le. Enfin, c'est toi qui voudras pas. Joli dragon. Oui, bah c'est absolument pas lui qu'on a pas rencontré. Absolument pas. Hein. Et s'il était rouge, c'est pas lui. Hein. Des bisous. Je ne le dis plus. Je m'en vais. Mais vous m'entendez toujours. C'est la magie. Les sous-hommes magiciens.